Alors, je suis Véronique Auberger, informaticienne et linguiste, intéressée par la musique de la parole, les émotions et les détails qui nous gluent ensemble au travers de nos interactions. Cet Axe Humani Boat, qui est avant tout une aventure très collective, m'a enthousiasmée car je pense profondément que le robot est notre miroir et en quelque sorte l'animal notre chemin. Comme le titre l'indique, humain, animal, robot. Nous sommes des psychologues, des philosophes, des biologistes, des vétérinaires, des phonéticiens, des linguistes, des roboticiens, des traiteurs de signaux et bientôt des artistes. Et nous explorons le plus largement possible les disciplines, mais aussi les méthodes, les pratiques qui interrogent les frontières qui sont en pleine reconstruction, à la fois culturellement et scientifiquement, entre l'humain, l'animal et cette machine qui est perçue comme un robot. C'est un moyen de reposer autrement le paradigme de ces contrastes bousculés entre l'humain, l'animal et la machine animée par l'intelligence artificielle, et de comprendre et modéliser les propres de l'homme, de s'interroger sur la déstabilisation de notre perception de nous-mêmes comme centre et sommet de notre univers. Les robots qu'on dit sociaux expérimentent les modèles humains et interrogent profondément l'éthique de ces technologies. Et en même temps, l'éthique de la condition des animaux qui vivent au milieu des humains est au cœur de tous les débats actuels. Eh bien, mettre ainsi face à face l'animal et le robot, c'est peut-être une manière d'éclairer comme ça ensemble le même bouleversement qui est en train d'occurrer et de changer notre posture dans le monde. Ce qui est important pour nous dans cet axe, c'est d'être au-delà de la transdisciplinarité, d'être transculturel et sûrement même citoyen. Et nous nous rassemblons entre acteurs professionnels, autant non académiques qu'académiques, en ancrant nos questionnements au plus concret des milieux sociaux, des milieux culturels, des milieux économiques.